Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Les autorités de la transition ont entendu les cris des cœurs des migrants guinéens en situation de détresse au Niger. Mise sous embargo de la CEDEAO depuis le coup d'état du 26 juillet 2023. Dans ce pays désertique devenu l'une des routes migratoires les plus empruntées, plus de 1000 migrants nigériens sont bloqués. Ils ont sollicité l'intervention de Conakry pour leur rapatriement, estimé aujourd'hui à plus de 1200. Leur cri de cœur semble être entendu. Interrogé ce jeudi 24 août 2023 par Réveil d'Afrique, le directeur général des Guinéens de l'étranger nous a confié que l'État guinéen, à travers le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'OIM Guinée, a pris des dispositions nécessaires pour rapatrier 1200 Guinéens qui sont déjà identifiés. D'ici fin octobre 2023, on a identifié 1200 migrants. Tous ceux-ci sont déjà programmés pour être rapatriés en Guinée pour le mois de septembre. Il y aura 4 vols et au mois d'octobre encore, il y aura 4 vols, ce qui fera au total 8 vols pour amener complètement ces 1200 Guinéens qui sont identifiés au Niger. Ils seront de retour en République de Guinée d'ici la fin du mois. Alors, d'octobre, l'État guinéen, à travers le ministère des Affaires étrangères avec ses partenaires OIM, ont pris des dispositions et un tableau de planification de rapatriement est déjà validé. Il sera mis en œuvre à partir